bientôt. Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui que c'est important et il attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes et me dit toujours tout bas, fais croire que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison, apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres ont celle de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Et dis-tu la connaissais, ma maman, avant? Pourtant, elle ne m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone. Quand elle ne vient pas, quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur, le téléphone pleure, ne raccroche pas, je suis si près. Avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu as déjà été, toi, à Sainte-Maxime? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux. Moi, je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu, moi. Et qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Pourquoi? Le téléphone pleure quand je ne viens pas. Quand je lui crie, je t'aime. Les mots se meurent dans les. Près de toi avec ma voix. Le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un train. Dis-le, reviens. Allons, insiste. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. Au revoir, monsieur. Merci à toi. À bientôt. Bye.